Donc, on peut commencer par lire. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la lettre des avancées que nous allons, c'est sur ça que nous allons travailler. Donc, vous allez mettre vos Bibles à côté de vous et on va travailler ensemble. C'est bon? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour ce temps de prière que tes filles bien-aimées ont eu. Merci pour ce temps de partage. Merci d'exaucer mes prières. Seigneur, toutes ces prières, Seigneur mon Dieu, qui ont précédé ce temps de partage, je prie que, ô Dieu de gloire, tu nous exauces, tu exauces tes filles et que tu glorifies ton Saint-Nom, Seigneur, pendant ce temps de partage pour nous de Jésus. Apporte-nous instruction, apporte-nous guérison, apporte-nous vie. Apporte-nous, Seigneur, sagesse. Apporte-nous, Seigneur, mon Dieu, ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, on peut commencer par lire 1 Amen. Thessaloniciens, chapitre 1. Je lis. Écoutez très bien toutes les expressions, tous les mots, tout ce que vous allez voir. Écoutez ça très bien. Voilà. Donc, au fur et à mesure qu'elle va dire, on va mettre une pause et on va essayer d'expliquer certains points. Je prie que le Seigneur donne la grâce d'aller jusqu'au, peut-être au chapitre 2, au chapitre 3, parce que tout ce qui est écrit, point par point, verset par verset, c'est très important. Voilà. Parce que la première lettre aux Thessaloniciens, en réalité, c'est, si on veut comprendre, c'est la première. La première épître, sinon la première lettre même que les apôtres également ont commencé par écrire. Alors que ça se trouve, ouais, ça se trouve après plusieurs épîtres, mais en réalité, voilà, ce sont les premiers écrits même qui se trouvent ici. Voilà, on ne sait pas comment les gens qui ont formé la Bible, vous allez comprendre, quand on va venir, vous allez voir que ça ressemble un peu à Actes des apôtres. Il y a beaucoup de choses qui se trouvent dans Actes des apôtres qui se retrouvent en fait dans 1 Thessaloniciens. Voilà. La plupart des gens qui ont voulu faire les Bibles révisées ont placé 1 Thessaloniciens avant toutes les épîtres. Voilà. D'autres ont placé Jacques, d'autres ont placé 1 Thessaloniciens. Bon, peu importe. Mais l'essentiel, c'est que l'Esprit nous conduise dans toute la vérité. Amen. Donc, nous commençons par lire 1 Thessaloniciens chapitre 1. Oui. 1 Thessaloniciens chapitre 1. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Paix vous soit donnée. Amen. Donc, dis-moi, Paul avec Sylvain. Moi, Paul avec Sylvain et Timothée, j'écris à l'église de Thessalonique qui appartient à Dieu le Père et au Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et vous donne la paix. Voilà, ça veut dire beaucoup de choses. On nous dit ici que Paul dit, lui Paul, Timothée et Sylvain. Voilà, donc c'est trois personnes, Paul, Timothée et Sylvain. Sylvain, c'est celui qu'on appelle Silas. Vous avez entendu déjà Silas dans Actes des Apôtres. Vous avez déjà entendu Silas dans Actes des Apôtres, non? Donc, c'est ce Silas-là qu'on appelle Sylvain ici. Et Timothée, vous l'avez vu marcher avec Paul. Lorsque Paul va aller dans les nations, il va prendre Timothée, qui était déjà croyant, qui était déjà disciple. Mais Paul va marcher avec lui comme un père marche avec son enfant. Et Paul va le faire circoncis lorsqu'il devait rentrer également il devait aller à Jérusalem et continuer l'œuvre de Dieu avec lui à cause des Juifs. Voilà, à partir de ce moment, Timothée va rester toujours avec Paul comme non seulement un enfant dans la foi, mais comme son collaborateur. Et Silas, comme vous lisez dans Actes chapitre 15, lorsqu'il y a eu il y a eu un concile à Jérusalem, c'est-à-dire une rencontre
une rencontre des anciens, des responsables, lorsqu'il y avait des discussions par rapport au fait qu'il y avait des Juifs qui avaient cru, mais qui voulaient aussi judaïser les frères en Christ qui n'étaient pas juifs. Ils voulaient que ces frères-là se fassent circoncis avant d'être sauvés. Vous pouvez voir tout cela dans Actes chapitre 15. Donc, quand l'apôtre Paul était à Antioche, il est remonté à Jérusalem. Et après discussion, quand il est revenu dans les nations, il est descendu dans les nations avec Jude et puis Silas, qui étaient des prophètes. Jude et Silas étaient des prophètes. Tout ça, c'est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 15 et 16. Donc, ils exhortaient tous les endroits où Paul et Barnabas avaient évangélisé. Donc, ils bâtissaient, ils les exhortaient, ils les encourageaient. Donc, Paul est descendu non plus, il est redescendu non plus avec Barnabas et Marc, mais il est redescendu avec Silas et il a pris Timothée. Donc, ils étaient trois, ils ont continué eux ensemble. Donc, il écrit cette lettre-là avec Silas et Timothée. C'est eux qui sont vraiment ses envoyés, ceux qui vont prendre la lettre pour apporter cela à l'église de Thessalonique. Il dit maintenant qu'il appartient à Dieu le Père et au Seigneur Jésus-Christ. Donc, voici les responsables. Sinon, voici les chefs. Comme vous dites, 1 Corinthiens chapitre 11, on nous dit que Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. Donc, vous voyez que dans le gouvernement de Dieu, la tête de Christ, c'est le Père. La tête de l'homme, c'est Christ. La tête de la femme, c'est l'homme. Maintenant, on nous dit que le fondateur, le père fondateur de l'Église n'est pas le pape, n'est pas le pasteur, n'est pas un prophète quelconque, mais le père de l'Église, le responsable de l'Église, c'est Dieu en son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Selon qu'il est écrit, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Parce que quand Jésus a demandé à ses disciples, qui dit-on que je suis? Et les disciples ont dit, les uns disent que tu es Jérémie, les autres disent que tu es Élie, les autres disent que tu es l'un des prophètes. Et le Seigneur va dire, mais et vous, qui dites-vous que moi je suis? Et Pierre va avoir la révélation, Pierre va dire que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et le Seigneur va lui dire, ce n'est pas un homme qui t'a révélé cela, mais c'est le Père. Donc la révélation venait du Père. Maintenant, quand cette révélation venait du Père, Jésus va dire, et donc, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Amen. Donc, c'est Jésus-Christ qui est le bâtisseur de l'Église. Amen. Il faut que ça soit clair dans l'esprit de tout un chacun, de vous tous, toutes les sœurs, tout le monde, tous ceux qui sont connectés. C'est-à-dire que c'est l'Église. L'Église, c'est le dessein, c'est la volonté de Dieu, c'est le plan de Dieu. Maintenant, celui qui bâtit, celui qui est l'architecte, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il a bâti cela par son propre sang. Vous pouvez venir cela dans Actes chapitre 20. Donc, il a bâti l'Église par son propre sang. Donc, pour que quelqu'un soit le bâtisseur de l'Église, il faut qu'il verse son sang. Or, la seule personne qui a bâti l'Église, c'est avec son sang, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est la pierre de l'angle. Si on enlève la pierre de l'angle, tout l'édifice s'écroule. C'est pour cela que nous sommes édifiés sous le fondement des apôtres et les prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. C'est lui qui est la fondation de toute chose. Comme on lisait aussi dans Hébreux, la Bible dit que c'est Dieu réellement qui est le responsable de la maison et il a établi le Fils comme le chef de la maison. Il a établi Jésus-Christ comme étant le Fils, c'est-à-dire le chef, le responsable de la maison. Toute maison est bâtie par Dieu et le responsable de la maison, c'est son propre Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que Paul établit cela dans le commencement, presque dans toutes ses lettres. C'est comme ça qu'il salue. Donc il dit, moi, Paul,
avec Silas et Timothée, c'est-à-dire ses collaborateurs en Jésus-Christ, dans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, j'écris à l'église de Thessalonique. Donc c'est eux qui, c'est la destination, l'église de Thessalonique. Voilà. Et pour rappel, vous voyez que dans les Écritures, les églises, voilà comment les églises étaient nommées. Voilà. Donc la ville, c'est la ville de Thessalonique, c'était une grande ville portuaire où il y avait beaucoup d'activités. Il y avait plusieurs nationalités, plusieurs cultures, et il y avait les riches, et il y avait beaucoup, beaucoup de pauvres qui se débrouillaient, qui faisaient beaucoup d'activités. Ces détails-là sont importants. Vous allez comprendre pourquoi l'apôtre Paul va aller plus tard dire aux disciples que lui, il a travaillé de ses propres mains. Parce que là-bas, permettez-moi l'expression, c'était des gens qui faisaient, comme on le dit, le diossi. C'est-à-dire que le travail manuel, voilà, des gens qui font le travail manuel, en fait, que l'apôtre Paul a eu la grâce d'évangéliser plus. Donc, quand il se convertissait, il y a d'autres, puisqu'on a dit que l'avènement du Seigneur est proche, ils sont restés là, ne plus rien faire. Donc, tous ces détails-là, c'est important. Tout ce que je dis, prenez vraiment, faites attention à tout ça. Donc, c'était, voilà ce qui s'est passé réellement dans la ville de Thessalonique. Mais je disais qu'on a appelé l'église de Thessalonique. Et vous allez voir que ça va continuer dans la même chose quand vous allez lire l'église de Rome, l'église de Philippe, l'église d'Éphèse, l'église de Laodicée, ainsi de suite. C'est-à-dire la ville ou la commune. Voilà. L'ensemble des frères et sœurs qui avaient cru au Seigneur Jésus, qui partageaient la même foi, qui avaient le même esprit, ces personnes-là constituaient l'église locale dans ce territoire-là. Et donc, on disait l'église, par exemple, si c'est Abidjan, on allait dire l'église d'Abidjan. Si c'est Kourougo, on a dit l'église de Kourougo. Si c'est Douala, on va dire l'église de Douala. Et il y avait des évêques qui conduisaient, voilà, ces assemblées-là, qui dirigeaient ces assemblées-là. Un conseil aussi d'anciens, des diacres, plusieurs serviteurs, des appelés qui conduisaient, qui dirigeaient ces assemblées-là. Les choses étaient, même s'il y avait la persécution, les choses étaient quand même organisées. Vous me suivez? Donc, oui. Il dit, moi, Paul, avec Silas et Timothée, j'écris à l'église de Thessalonique qui appartient à Dieu le Père et au Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est clair que, voilà, les responsables de l'église, le responsable de l'église, c'est le Seigneur Jésus au nom de son Père. Amen. Il dit que Dieu vous bénisse et vous donne la paix. Voilà, c'est ce que nous avons aussi l'habitude de dire lorsque nous nous saluons. On dit à ton frère, shalom, shalom, shalom. Ça veut dire que la paix du Seigneur soit sur toi. Shalom veut dire que la paix du Seigneur soit sur toi. Voilà. Donc, il est salué, il est dit shalom. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous donne sa paix. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous donne sa paix. Amen. Les saintes sœurs, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous donne sa paix. Donc, amen. À chaque fois que vous êtes en place, vous avez dit shalom, ma sœur. Shalom, ma sœur. Voilà ce que vous avez dit. Que Dieu te bénisse, amen. Et que Dieu te donne sa paix. Amen. Amen. Et tu vas aller dans le verset. Amen. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous. Prière. Nous rappelons sans cesse. Grâce à Dieu pour vous tous, donc en tant que berger, en tant que conducteur, en tant que pasteur, en tant que serviteur de Dieu, en tant que guide, ils avaient pour travail, non pas seulement de prêcher la parole de Dieu, mais vu qu'eux-mêmes ils n'étaient pas sur place. Parce que après avoir évangélisé la ville, quand ils ont eu le temps quand même de les former, il y a eu la persécution qui a fait que les apôtres étaient obligés de se retirer. Ils étaient obligés vraiment de fuir cette persécution-là pour aller continuer l'œuvre de Dieu ailleurs. Donc, ils n'avaient pas laissé les frères comme ça, même s'ils n'étaient pas là de corps, mais en esprit, il y avait beaucoup de prières qui s'élevaient pour ces saints-là.
C'est très important aussi de savoir ces choses. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas tel frère, tu ne vois pas tel pasteur, tu ne vois pas tel conducteur être de corps avec toi qui ne lève pas des prières pour toi. Donc l'apôtre Paul dit sans cesse, nous remercions Dieu pour vous tous et nous disons vos noms dans nos prières. Nous disons vos noms dans vos prières. Et vous les sœurs, vraiment, je ne sais pas comment Dieu a créé la femme, surtout quand elle est convertie, vraiment, c'est comme la prière, c'est comme la nourriture pour elle. Les femmes aiment beaucoup la prière. Donc, voilà que l'apôtre Paul vous dit que sans cesse, il dit, nous remercions Dieu pour vous tous et nous disons vos noms dans nos prières. Ça veut dire que dans les prières, vous pouvez mentionner les noms de telle sœur, de tel serviteur de Dieu, de tel enfant, de telle personne, de tel saint. Vous mentionnez les noms des saints dans vos prières afin que ce que vous souhaitez de bon dans la marche de vos frères, dans la croissance spirituelle, dans la percée spirituelle, dans la conduite de vos frères, tout ce que vous souhaitez, vous mentionnez leur nom et vous priez et Dieu, au temps convenable, vous exaucera au-delà de vos attentes et va vous étonner. Continuez de mentionner les noms de vos sœurs que vous avez vues, vous avez commencé la marche ensemble, mais plus tard, elles se sont retirées. De vos frères, vous avez commencé la marche dans le Seigneur ensemble, mais plus tard, se sont retirés. Que ces personnes-là ne deviennent pas vos ennemis. Le secret, c'est de fléchir les genoux et de mentionner leur nom dans vos prières. Pas seulement pour ceux qui ont commencé à mal se conduire pour aller dans le monde, mais pour ceux-là même aussi qui continuent de vivre, de se comporter d'une manière digne de l'Évangile. Vous devez vous souvenir aussi d'eux, vous devez vous souvenir aussi d'elles, de mentionner leur nom, afin que s'ils sont debout, ils ne puissent pas tomber. Afin que aussi de la position où ils sont, ils puissent encore aller davantage encore en profondeur avec le Seigneur. Amen. Amen. Ok, le verset 3. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité, et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur. Amen. Amen. C'est tellement intéressant ce que l'apôtre Paul dit. Il dit devant Dieu notre Père, nous nous souvenons toujours de vous. Oui, votre foi est active. Votre foi est active. Dans ta version, on avait dit quoi? De votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Par rapport à la foi, qu'est-ce qu'on dit par rapport à la foi dans ta version? Il dit, nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi. Voilà. Vous voyez? Donc, la foi qui plaît à Dieu, la foi qui est agréable à Dieu, la foi qui est conforme à la parole de Dieu, la foi qui donne la vie éternelle, la foi qui est biblique, la foi spirituelle, c'est une foi qui est active. Ce n'est pas, c'est ce que les apôtres ont plusieurs fois prêché, selon qu'il est écrit que la foi sans les œuvres est morte. Donc quand quelqu'un dit qu'il a la foi, j'ai toujours l'habitude de dire, ce sont les œuvres qui montrent où se trouve la foi. Ce sont les œuvres qui montrent où se trouve la foi. C'est-à-dire que si le ciel, les habitants du ciel veulent regarder la terre, voici il y a des gens qui ont encore la foi sur la terre. Selon que le Seigneur Jésus a dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est-à-dire où il va trouver la foi sur la terre là? C'est là où il y a les œuvres de la foi. Là où il n'y a pas les œuvres de la foi, c'est qu'il n'y a pas la foi là-bas. Est-ce que vous me comprenez? Si vous voyez qu'il y a les œuvres de la mort quelque part, c'est qu'il n'y a pas la foi là-bas. Mais là où il y a les œuvres de la vie, là où il y a les œuvres de l'esprit, c'est là-bas que se trouve la foi. La foi n'est pas passive. La foi n'est pas passive. La foi est active. La foi bouge.
La foi se voit. La foi est une démonstration. Donc, si je dis que je suis une femme de foi, ça veut dire que je suis, ma vie est parsemée de bonnes œuvres en Jésus-Christ. Les gens pensent que la foi se limite à une confession. Je crois que. Non. L'apôtre Jacques a expliqué largement ces choses-là dans Jacques chapitre 2. Il dit, si quelqu'un dit qu'il a la foi, qu'il montre, lui aussi va montrer réellement sa foi avec les œuvres qui accompagnent. Que la foi sans les œuvres est morte. Et il disait que les chrétiens de Thessalonique ont la foi. Et cette foi-là n'est pas une foi morte, n'est pas une foi passive, n'est pas une foi abstraite, mais c'est une foi qui est visible, c'est une foi qui est remarquable, c'est une foi qui se démontre. Et on entend parler de leur foi. Et ma prière, le vœu de mon cœur, c'est que vous, qui dites être des femmes de foi, que votre foi se voit, que votre foi se manifeste, que votre foi se démontre, que Dieu vous donne par le Saint-Esprit de démontrer votre foi dans chaque circonstance que vous vivez. Et quand on parle de foi, ce n'est pas seulement la foi, c'est-à-dire la foi pour les miracles, la foi pour l'exaucement des prières, la foi pour les guérisons, c'est bon. Mais il y a aussi la foi pour marcher toujours dans la sainteté, la foi pour porter les fruits de l'Esprit, la foi pour être toujours dans les voies du Seigneur, la foi pour évangéliser, la foi pour les choses, pour les œuvres de Dieu. Voilà. Il dit, oui, votre foi est active. Oui, par rapport à l'amour, il dit quoi? Le travail de votre charité. Voilà. Ici, la charité renvoie à l'amour. Il dit, votre amour vous fait agir. Ce n'est pas un amour selon lequel quelqu'un vient, par exemple, chez vous, comme l'apôtre Paul, l'apôtre Jacques le disait. Il a faim. Et il vient, il demande réellement de la nourriture. On lui dit réellement, sois béni. Que Dieu te bénisse. Hein. Sois béni, ma soeur. Sois béni. Ma soeur, sois béni. Mais la personne retourne à la maison avec la faim. Donc, ce n'est pas un amour qui fait agir. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il était rentré chez Simon, lépreux, il était en train de montrer réellement l'amour. Et lorsque Simon a douté, de l'authenticité du ministère du Seigneur Jésus-Christ, lorsque la femme pécheresse est venue au pied du Seigneur pour lui faire des baisers au pied avec ses cheveux, tout ça, il a dit, si celui-là était prophète, il allait savoir quel genre de femme se tient réellement à ses pieds. Et le Seigneur Jésus va commencer à lui raconter une parabole. Et vous connaissez la parabole lorsqu'il est en train de dire qui est réellement le prochain, qui a réellement l'amour. Vous avez vu que c'était la personne qui avait agi. Quand vous lisez aussi par rapport au bon samaritain, vous voyez cela. Il a vu la personne qui était blessée, la personne qui était agressée, les autres sont passés. Ils disent qu'ils ont l'amour de Dieu, le pharisien, le lévite est passé, le pharisien est passé, le prêtre là, le sacrificateur est passé. Mais lorsque le samaritain réellement est passé, il n'a pas dit seulement que j'ai pitié, mais il est allé à l'action, il est allé vers la personne qui était dans le besoin, il a eu compassion. Donc son amour réellement le fait agir. Donc que notre amour, que votre amour vous fasse réellement agir. Amen. Que votre amour vous fasse agir lorsque vous voyez telle personne, votre prochain. La Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton cœur. Ça, c'est le plus grand commandement. Mais il y a un second. Et ce second-là ressemble au premier. Et c'est le commandement que le Seigneur même a laissé. Voilà. Il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu vois, quand tu t'aimes, ça fait que tu veux avoir la nourriture chaque jour, tu veux t'habiller, tu veux avoir un toit, c'est parce que tu t'aimes. Et le même amour que tu as pour toi, il faut
le transposer, le transporter sur quelqu'un d'autre. C'est ça, aimer son prochain comme soi-même. Amen. Que notre amour nous fasse agir, de sorte à ce qu'on ne soit pas égocentrique. On ne pense pas seulement qu'à nous, mais qu'on puisse penser aux besoins de nos frères. Voilà. Votre amour vous fait agir. Maintenant, par rapport à l'espérance, la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Amen. Quand on parle de la fermeté, ça renvoie à quoi, les sœurs? Je veux que tout le monde me suive, que tout le monde parle. Bientôt, vous serez devant des sœurs, vous serez devant des femmes, vous serez devant des jeunes filles. Et c'est vous qui devez leur montrer les voies justes de Dieu. Donc, ces choses-là, vous devez les connaître. Et votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, il parle de la fermeté. Quand on parle de la fermeté de l'espérance, ça veut dire quoi, fermeté? Ne pas être ferme, ne pas être ébranlable par rapport à ce en quoi on espère. Être radical par rapport à l'espérance, à l'évangile. Amen. Quelqu'un d'autre a une autre réponse? Persévérer dans le chemin du Seigneur, dans les voies du Seigneur. Amen. Donc, moi, c'est rester attaché. Rester attaché, persévérer, et puis la sœur Aurélia, tu avais une chose. J'avais dit être radical par rapport à l'évangile. La radicalité, oui, quoi aussi. Inébranlable. Voilà, c'est ça. Donc, parle ici de l'espérance. C'est-à-dire que l'espérance, c'est l'espérance en qui? L'espérance en notre Seigneur Jésus, non? C'est l'espérance en notre Seigneur Jésus. C'est de ça qu'il parle, non? Oui. Maintenant, notre espérance dans le Seigneur Jésus, c'est quelle espérance? La vie éternelle. Voilà, la vie éternelle, mais comment? En Jésus-Christ. Oui, la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais la vie éternelle en Jésus-Christ, en fait, c'est par l'avènement du Seigneur Jésus. Mm-hmm. Donc, comme on attend le Seigneur Jésus, nous espérons en sa venue. Mm-hmm. Voilà, en fait, nous espérons en sa venue. C'est de cette espérance-là qu'il parle. L'espérance dans la vie du Seigneur Jésus-Christ, il faut que ça soit solide. Ça soit solide. Personne ne vient réellement vous ébranler, même si ça fait 30 ans, 50 ans, le Seigneur n'est pas encore venu. Tu dois être dans cette attente. Vous savez, quand vous lisez les évangiles, on parle des gens qui attendaient le royaume. Vous n'avez pas vu ça? Oui, oui. On parle de Joseph, oui. Voilà, oui. Qui attendait le royaume de Dieu. Donc, nous attendons ce royaume dans l'avènement du Seigneur Jésus. Nous attendons le royaume de Dieu. Quand tu attends, c'est-à-dire que tu fondes sur le Christ l'espérance de rentrer un jour dans le royaume de Dieu par l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est de cette espérance-là que l'apôtre Paul parle. Et l'apôtre Paul va plusieurs fois dans chaque épître. Et les autres apôtres aussi, ils vont parler de l'espérance que nous avons. Amen. Les gens qui sont dans le monde, qui n'ont pas la foi, ils sont sans espérance. L'espérance vient à partir du moment où on t'a fait une promesse. L'espérance vient à partir du moment où on t'a fait une promesse. À nous les chrétiens, à vous les saintes femmes, en Jésus-Christ, le Seigneur vous a fait la promesse de la vie éternelle. Qu'un jour après cette vie sur la terre, vous allez vivre avec Dieu dans sa félicité, dans sa gloire. Que la mort n'aura pas de victoire sur vous. On dit heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, leurs œuvres les accompagnent. On dit heureux ceux qui ont part à la première résurrection, car la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Jésus a dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais je m'en vais. Je vais vous préparer une place et je reviendrai vers vous. Je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous aussi, vous y soyez.
Donc, cette parole-là, les apôtres vont répéter cela. Les apôtres vont enseigner cela. Les apôtres vont encourager les disciples avec cela. De sorte à ce qu'ils n'aient point peur de la mort. De sorte à ce que, quelles que soient les tribulations, quelles que soient les persécutions, quelles que soient les tentations, ils puissent avoir dans l'esprit que pour rien au monde, je puisse rater le jour où le Seigneur Jésus viendra chercher ceux qui lui sont restés fidèles. Que pour rien au monde, quels que soient les problèmes de la vie, quels que soient les vices de la vie, quelles que soient les tentations de la vie, quels que soient les plaisirs de la vie, quels que soient les soucis de la vie, quelles que soient les richesses de la vie, quelles que soient les intempéries de la vie, que pour rien au monde, je puisse perdre mon espérance en Jésus-Christ. Que mon espérance soit solide dans mon foyer en tant que femme. Que mon espérance soit toujours solide dans ma relation si je suis fiancé. Que mon espérance en Jésus soit toujours solide dans mon travail si je travaille. Il ne faut pas que réellement un problème au niveau du travail, ou un problème au niveau des études, ou un problème dans ma relation avec mon fiancé, ou un problème dans ma relation avec mon mari, me fasse perdre l'espérance, mon espérance en Jésus. Que cette espérance-là soit solide. Que je sois une femme qui est comme une maison qui a été bâtie, non pas sur le sable, mais cette maison a été bâtie sur le roc. De sorte à ce qu'elle soit inébranlable. Les soucis ne peuvent pas l'ébranler. Les plaisirs ne peuvent pas l'ébranler. Les vices de ce monde ne peuvent pas l'ébranler. Les richesses de ce monde ne peuvent pas l'ébranler. Tout ce qui est dans ce monde ne peuvent pas l'ébranler. Qu'elle soit solide, qu'elle soit ferme. Que vous ayez une foi persévérante. Quand quelqu'un est dans l'espérance et quand quelqu'un est solide dans l'espérance, il devient persévérant. La persévérance vient du moment où on est solide dans notre espérance. La persévérance vient du moment où on est endurant dans notre espérance. La persévérance, on dit de quelqu'un qu'il est persévérant, on dit d'une femme en Christ qu'elle est persévérante du moment où elle est inébranlable dans son espérance. Est-ce que vous pouvez comprendre? Donc, on a parlé de la foi, on a parlé de l'amour et on a parlé de l'espérance. Et si vous lisez toujours dans 1 Corinthiens chapitre 13, on va dire que il y a trois choses qui demeurent. C'est quoi et quoi et quoi? Les sœurs, soyez vraiment très rapides. Ce n'est pas des choses. Et puis l'espérance. Il y a la foi, l'amour, l'espérance. L'espérance. Voilà. La foi, l'amour et l'espérance. L'amour. Pas l'expérience. La foi, l'amour et l'espérance. L'espérance. Amen. Voilà. La foi, l'amour Amen. Et l'espérance. Donc, que ces trois choses-là soient toujours dans vos cœurs, dans votre vie. Que votre vie soit caractérisée par ces trois choses-là en Jésus-Christ. Que votre vie en Jésus-Christ soit caractérisée par la foi, par l'amour et par l'espérance au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, le verset 4. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre oui. évangile. Non, le verset 4. Tu lis avec quelle version? Là, je lis avec lui second. Ok. Donc, relis le verset. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Voilà. Et lis avec Semeur. Pardon? Lis avec Semeur. D'accord. S'il te plaît. Car nous savons, frères et sœurs, que Dieu vous a choisis, vous qui l'aimez. Voilà. Donc, la notion en fait d'élection renvoie au choix de Dieu. Mm-hmm. Amen. Donc, quand vous attendez que Dieu, frère et soeur, Dieu vous a élu avec lui, c'est ça qui est écrit, non? Oui. Lis avec lui, second. D'accord. Avec lui, second, c'est frère bien-aimé de Dieu, que vous avez été élu. Frère bien-aimé de Dieu, faut bien lire.
Nous savons, très bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Voilà. Donc, il dit que nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Donc, on dit bien-aimés de Dieu, ça veut dire que la personne a été aimée de Dieu. C'est pour cela que quand vous lisez avec la version du Semeur, on dit frères et sœurs, chrétiens, frères et sœurs, nous le savons que Dieu vous aime et il vous a choisi pour être à lui. L'amour de Dieu a été manifesté envers eux en sorte que lorsqu'ils étaient pécheurs, Dieu ne les a pas laissés livrer à eux-mêmes. Mais l'évangile est parvenu jusqu'à eux. La bonne nouvelle qui sauve, qui donne la vie éternelle, les a atteints. Donc c'est l'expression de l'amour de Dieu. Selon qu'il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc quand tu entends cette parole, c'est l'expression de l'amour de Dieu pour toi. Lorsque quelqu'un saisit cette parole, le choix de Dieu se fait dans sa vie. Donc Dieu l'a choisi parce que Dieu l'a aimé. Dieu l'a choisi parce que l'évangile est arrivé jusqu'à lui. Dieu l'a choisi parce que Dieu l'a élu parce qu'il a été choisi pour être à Dieu. Quand on dit tu es élu, tu as dit que tu étais choisi pour être à Dieu. Amen. Maintenant, il va expliquer cela. Regardez le verset 5. Oui. Notre évangile, ne vous ayant pas été prêché en parole, mais vous avec puissance, avec l'Esprit. Il a pu parler du choix de Dieu, il a placé par rapport à l'évangile, comme il est en train d'expliquer. Si vous lisez, par exemple, avec la version, les versions des français courants, vous allez voir que ça sera une suite. Prends la version Semeur, tu vas voir. Après le verset 4, il y a le verset 5. Avec Semeur, il dit, en effet, l'évangile que nous annonçons... Continue. Et en parole seulement, mais aussi avec puissance, par le Saint-Esprit et avec une pleine conviction. Et vous le savez bien, puisque vous avez vu comment nous nous sommes comportés parmi vous pour votre bien. Amen. Donc ici dit en effet, quand il dit en effet là, ça renvoie à quoi? L'explication. Voilà, il explique ce qui précède. Voilà, on est en train d'expliquer comment Dieu les a choisis et il a dit en effet la bonne nouvelle. Donc Dieu choisit les hommes par la bonne nouvelle. Dieu, en fait, il choisit les gens. Ils ont été élus, bien aimés de Dieu, vous avez été élus. Cette élection-là revient et elle renvoie du moins au fait que Dieu les a apporté la bonne nouvelle et ils ont reçu la bonne nouvelle. Donc c'est la preuve que Dieu les a élus. Chaque fois que l'apôtre Paul parle de l'élection, très souvent c'est de ça qu'il parle, mais malheureusement les gens ne comprennent pas ce qu'il veut dire. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire que lui, il prêche à beaucoup de personnes. Mais les gens qui croient, les gens qui saisissent, les gens qui s'attachent, les gens qui acceptent cette bonne nouvelle, pour lui, c'est un témoignage, c'est une preuve, c'est un signe qu'ils ont été choisis de Dieu. Ils ont été élus par Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Ça peut dire, en effet, regardez, il dit, frères et sœurs chrétiens, nous le savons, Dieu vous aime et il vous a choisi pour être à lui. Verset 5. En effet, comprenez non? En effet, la bonne nouvelle que nous vous avons annoncée n'est pas arrivée chez vous, non seulement en parole. Donc, ça aussi, on va expliquer ça. Et la bonne nouvelle que nous vous avons annoncée n'est pas arrivée chez vous seulement en parole. Donc, ça veut dire que seulement en parole, mais aussi avec la puissance et l'aide du Saint-Esprit. Amen. Donc, Dieu est en train de nous dire ici aussi, par ce témoignage que l'apôtre Paul rend, par cette expérience qu'ils ont vécue avec les frères et sœurs de Thessalonique dans leur évangélisation, dans l'évangélisation de la ville, il dit que l'évangile qu'ils sont allés annoncer n'est pas seulement un évangile qui consiste seulement en parole, mais aussi en puissance et par l'action du Saint-Esprit. Donc, nous devons prêcher un évangile qui est pareil à l'évangile que les apôtres et les Paul, Silas, Timothée ont prêché, qui est accompagné aussi de puissance, qui ne consiste pas seulement en paroles. Il dit,
L'évangile que nous vous avons annoncé n'est pas arrivé chez vous seulement en parole, mais aussi avec la puissance et l'aide du Saint-Esprit. De plus, nous étions sûrs de ce que nous disions. En effet, vous savez comment vous avez vécu. Vous savez comment nous avons vécu parmi vous pour votre bien. Ça aussi, c'est très important. Dans ta version là-bas, votre version dit quoi? Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Voilà. Donc, il y a en effet, vous savez comment nous avons vécu parmi vous pour votre bien. Donc, en tant que dispensateur de l'Évangile, en tant qu'ambassadeur de Christ, en tant que prédicateur de l'Évangile, on doit être des modèles. Et il dit que de la manière dont ils ont vécu, après avoir prêché la parole de Dieu même avec puissance là, ils ont eu une conduite, une manière de vivre qui était digne de l'Évangile et qui était connue de tous ceux qu'ils évangélisaient, de tous leurs enfants dans la foi, de tous leurs frères et sœurs en Christ. C'était connu. Il dit, en effet, vous savez comment nous avons vécu parmi vous pour votre bien. C'est très important. C'est très important dans l'Église de Dieu. Oui, le verset 6. Donc, je poursuis avec la version Semeur. Quant à vous, vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur, car vous avez accueilli la parole au milieu d'épreuves nombreuses, mais avec la joie que produit le Saint-Esprit. Amen. C'est magnifique. Il dit, et vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur. Vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur. Donc, comme j'ai dit, pour être, quand on est un modèle, c'est celui réellement qui est devant, que les autres doivent suivre. C'est celui qu'on suit. Maintenant, il dit qu'en réalité, eux, ils ont été suivis par les disciples. Les disciples les ont suivis, les disciples les ont imités. L'apôtre Paul le disait dans Philippiens et puis dans Éphésiens. Il disait, soyez mes imitateurs, comme je le suis du Seigneur. Comme moi j'imite le Seigneur, vous pouvez m'imiter. Un véritable pasteur ne doit pas dire, ne faites pas, ne m'imitez pas. Imitez le Seigneur, ne m'imitez pas. Ce n'est pas humble de dire cela. C'est celui qui est humble à main qui dit, imitez-moi comme j'imite le Seigneur. Est-ce que vous me comprenez? Un pasteur humble, quelle que soit son humilité, ne doit pas dire, ne m'imitez pas. Imitez le Seigneur. C'est risqué. Une sœur, une servante de Dieu ne doit pas dire réellement à sa fille dans la foi ou bien à sa petite, à sa sœur dans la foi ou bien à une jeune sœur qu'elle est en train d'encadrer qu'il ne faut pas m'imiter. Moi là, il ne faut pas m'imiter. Il faut imiter le Seigneur. Quand il dit ça, ça veut dire que c'est risqué. Si on était en présentiel, il allait te dire de répéter ça à ta sœur. Je répète, une servante de Dieu, parce que je crois que vous êtes des servants de Dieu, parce que vous n'êtes pas à l'école du Seigneur pour être les dernières. Vous êtes à l'école du Seigneur pour être des modèles. Amen. Qui n'est pas d'accord? Vous êtes à l'école du Seigneur pour être des disciples et en faire aussi des disciples. Selon qu'il est écrit dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11, on dit il a donné aux uns d'être apôtres, évangélistes, docteurs, prophètes, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Ça veut dire qu'on forme les serviteurs pour qu'ils puissent réellement, en forme du moins les saints, pour qu'ils puissent servir le Seigneur, ils puissent devenir des servantes et des serviteurs de Dieu. On ne vient pas pour être réellement un églisien chaque dimanche, un chrétien du dimanche, une chrétienne du dimanche. Non. Je dois être un modèle sur que les autres vont copier en Jésus-Christ. Je dois être un modèle en Jésus-Christ que les autres vont imiter. Je suis sauvé pour sauver d'autres personnes. Je suis délivré pour délivrer d'autres personnes. Je dois être un exemple.
Quand on me regarde, ma vie ressemble à Tabitha Dorcas. Quand on me regarde, ma vie ressemble à Sarah. Quand on me regarde, ma vie ressemble aux sept femmes de la parole, aux femmes de foi dans la parole de Dieu. Ma vie ressemble à ces femmes-là. Et quand les nouvelles sœurs arrivent, elles vous imitent selon le Seigneur. Elles imitent votre vertu. Elles imitent que vous êtes des femmes qui craignent Dieu, que vous êtes des femmes qui ont la foi. Vous êtes des femmes qui n'ont pas honte du Seigneur Jésus, qui affichent leur foi. Vous êtes des femmes qui sont soumises. Hein? Vous êtes des femmes qui sont respectueuses. Vous êtes des femmes qui sont excellentes. Des femmes qui ont une beauté intérieure. Des femmes, des filles de Sion. C'est très important. Donc ne dis pas « Ah, ma soeur, en tout cas, tu es venu ici là. C'est le Seigneur Jésus, hein. Pour imiter le Seigneur, pas m'imiter. » Je te dis que c'est risqué. Amen. On doit t'imiter. Tu n'as pas 3 ans dans la marche chrétienne, tu n'as pas 4 ans dans la marche chrétienne pour rien, pour chauffer les chaises et les bancs de l'assemblée. Non. Tu as 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans dans le Seigneur pour que tu sois un modèle que les gens vont suivre. Donc elle dit, et vous, vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur. Donc moi, je suis fier de dire à mes enfants dans la foi, je suis fier de dire à mes filles dans la foi, je suis fier de dire à mes soeurs, imitez-moi. Parce que je suis en train d'imiter le Seigneur. Donc, quand vous imitez ma vie, vous imitez la vie du Seigneur. Vous voyez comment vous dispersez lorsque vous vivez mal. Non? Au lieu de rassembler pour le Seigneur, vous dispersez. Parce que quand on regarde la vie, si je passe ma vie, par exemple, à faire des commérages, si je passe ma vie à vivre comme quelqu'un de dévergondé, quelqu'un de dissolu, quelqu'un de désordonné, quelqu'un qui m'a dans l'inconduite, ça veut dire que je suis en train de dire aux autres, imitez-moi. Mais je ne peux pas dire selon le Seigneur parce que ce n'est pas la vie du Seigneur que je vis. Donc, ça veut dire que tu n'es pas un modèle à suivre. Or, il faut que tu sois un modèle à suivre. C'est pour cela qu'on s'efforce d'imiter le Seigneur parce que si les gens nous imitent alors que nous vivons comme la vie du diable, c'est un scandale pour nous. Que Dieu vous épargne. Vous êtes des saintes sœurs. Marchez dans la sainteté. Je vous en supplie par la compassion du Seigneur. De sorte à ce que les gens qui veulent venir à Christ, quand ils vont vous regarder, ils ne disent pas, ah, en tout cas, c'est là. La sœur tant. Elle a dit qu'elle était chrétienne. Elle a confessé qu'elle était chrétienne. Mais cette vie-là, moi, je ne suis pas sûr. L'affaire de chrétienté, là, je ne suis pas sûr. L'affaire de nouvelle naissance, je ne suis pas sûr. Parce qu'elle vit toujours sa même vie. Donc, moi, je ne crois pas à ce Jésus-là. Je ne veux pas qu'on dise cela réellement. Le nom du Seigneur soit blasphémé. La voix de la vérité soit calomniée à cause de ta conduite. Est-ce que tu me comprends, ma soeur? Ma soeur, est-ce que tu me comprends? Amen, amen, amen. Amen, pasteur. Amen. Voilà. Donc, il dit, et vous, vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur. Parce que vous voyez, à des assemblées où les pasteurs peuvent dire, ah, fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Mm-hmm. Je me rappelle que j'ai un collègue pasteur qui dit qu'il était allé prêcher dans une assemblée. Il était allé prêcher dans une maison. Et dans la maison, on l'avait invité. Il y avait une cellule de prière là-bas où on partageait la parole. Il dit, le prophète qui est parti prêcher là-bas, là, quand il a fini de prêcher la même nuit, ils se sont parce que lui, il n'était pas converti, il était dans la maison. Bon, comme il y a prière, il venait prier aussi, tout ça. Maintenant, un jour, il y a un prophète qui est venu là-bas, il est allé prêcher. La même nuit, là, lui, il était parti dans un bar, il a trouvé le gars là-bas encore là. Donc, depuis ce jour, il a dit, mon cher, parce que c'était sa soeur qui envoyait les gens, des prédicateurs, pour prêcher dans les cellules-là. Depuis ce jour, il a dit, lui, là, c'est pas la peine. Il dit, afin de,
prière, tout ça, c'est la comédie, parce que les gens qui viennent ici, là, c'est des viveurs, c'est des gens qui vivent dans la cachette. Vous voyez? Et la plupart des gens qui vivent de la sorte, c'est eux qui aiment à dire, ne faites pas comme moi, mais écoutez ma parole, écoutez ce que je dis. C'est vrai que celui, un envoyé de Dieu, il doit dire les paroles de Dieu. Mais ça ne suffit pas. Il y a d'autres versets qui montrent qu'un envoyé de Dieu doit vivre comme le Christ a vécu. Ça ne se limite pas seulement à la parole. Il dit non, que je prêche la doctrine dans l'exactitude. Je prêche, je répète les paroles du Seigneur. Je prêche exactement le message du Seigneur. Mais en ce qui concerne la vie, l'apôtre Paul dit, vous avez vu de la manière que Christ a vécu là. Regardez-nous. Est-ce que ce n'est pas comme ça que nous sommes en train de vivre? C'est pour cela que nous vous demandons de nous imiter. Parce qu'en nous imitant, vous imitez le Seigneur. C'est simple. C'est pour cela même que le Seigneur a jugé bon de mettre les guides devant. Le guide, c'est celui qui conduit. Nous conduisons les gens dans le Seigneur. Nous conduisons les gens selon le Seigneur. Nous conduisons les gens au Seigneur. Donc si moi je ne marche pas selon le Seigneur, ceux qui me suivent là, c'est comme s'ils sont en train de suivre, eux étant aveugles, ils suivent un autre aveugle. Qu'est-ce qui va se passer selon le Seigneur? Selon que le Seigneur a dit, qu'est-ce qui se passera? Les deux tomberont dans le même trou. Voilà. Donc, répète le verset. Le verset dit, quant à vous, vous avez suivi notre exemple et... car vous avez accueilli la parole au milieu d'épreuves nombreuses, voilà. Mais avec la joie que produit le Saint-Esprit. Voilà. Donc, maintenant, il explique en quoi consiste réellement cette imitation-là. Mm-hmm. Il dit, et vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur. Maintenant, il explique, vous avez reçu la parole dans de grandes souffrances, avec joie, avec la joie donnée par le Saint-Esprit. Je veux que tu lises avec la version. Écoutez bien cette partie-là. Écoutez bien. Écoutez votre... Quant à vous, vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur, car vous avez accueilli la parole au milieu des... Mais avec joie... C'est bon quand tu lis ça, ça te coupe ici, mais c'est pas grave. Donc... Il dit, au milieu des tribulations, au milieu des souffrances, au milieu des difficultés, vous avez quand même reçu la parole et avec joie donnée par le Saint-Esprit. Parce que, vous savez, quand vous lisez la parabole du semeur dans Matthieu chapitre 13, il dit, quand quelqu'un reçoit la parole du royaume, quand il a parlé de la deuxième terre, il va dire que dès que la personne reçoit la parole avec joie, il dit, après avoir reçu cette parole, il y a les tribulations et les persécutions qui arrivent. Et la personne trouve une occasion de chute. C'est-à-dire que la personne trouve maintenant un moyen pour dire, ah, la vie chrétienne là, voilà, la personne cherche. Or, c'est dans les difficultés, les souffrances, qu'on doit montrer réellement que nous obéissons au Seigneur. La dernière fois, je disais dans un poste que j'avais pris dans Hébreux chapitre 5, le verset 7 à 8, on dit le Seigneur a appris à obéir à Dieu en souffrant. Et comme réellement c'est dans la souffrance qu'il a obéi, il a été rendu parfait. C'est-à-dire qu'il a accompli l'obéissance réellement dans la souffrance. L'obéissance à Dieu, là, il a appris cela dans la souffrance. Et il a été élevé. Donc, lui, maintenant, il est digne d'accorder maintenant le salut aux gens, puisque lui-même, il a obéi. Donc, il va donner le salut, non pas à n'importe qui, mais il va donner le salut à ceux qui lui obéissent. C'est écrit clairement dans Hébreux, chapitre 5, verset 7 à 8. Et j'ai dit que l'obéissance fait souffrir. Mm-hmm. Mais les gens pensent que
ils peuvent obéir à Dieu parce que non, l'obéissance, ça fait son prix. Dans ce monde impie, dans ce monde de justice, tu vas marcher réellement dans la justice sans souffrir, c'est pas possible. La souffrance, ce n'est pas que tu vas te flageller avec tes chicotes. La souffrance, ce n'est pas que tu vas marcher à genoux pour aller sur les montagnes. Ce n'est pas des pénitences où tu vas t'auto-flageller comme on le voit dans certaines religions. La souffrance, c'est le fait que tu décides volontairement dans ce monde de péché de marcher dans la justice. Tu verras que tu vas affronter réellement les ténèbres. Parce que lorsqu'il y aura l'injustice, que tu vas vouloir te garder dans la justice, les persécutions vont commencer à venir. Lorsque tu es dans un endroit où tout le monde veut mentir, toi tu décides de ne pas mentir, tu vas voir tout de suite, les persécutions vont te saluer. Tu vas voir que ton déjeuner, ton petit déjeuner sera la persécution. Ton déjeuner sera les souffrances. Ton goûter, ça sera les tribulations. Et puis réellement, ton dîner là, ça sera réellement les difficultés. C'est comme ça. Mais on dit dans toutes ces choses, vu que tu obéis à Dieu et que tu as le Saint-Esprit, on dit c'est avec joie. Ça veut dire que malgré les difficultés là, eux ils avaient la joie. Ça veut dire qu'ils ont la joie dans la persécution. Amen. Amen. Ils ont la joie, malgré qu'ils sont persécutés à cause de la justice, ils ont la joie par le Saint-Esprit. Donc, je répète, vous avez reçu la parole dans de grandes souffrances avec la joie donnée par le Saint-Esprit. Amen. C'est clair pour tout. C'est clair pour vous tous. Oui. D'accord. Donc, tu continues le verset qui suit. Amen. Aussi, vous êtes devenus à votre tour des modèles pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Amen. Vous avez vu, non? Donc, tant que tu n'es pas passé par l'épreuve, est-ce que tu peux devenir un modèle? Pas du tout. Voilà. Il faut que tu montres réellement ta valeur. Dieu veut voir ce que nous valons. Dieu veut voir notre valeur en Christ. Donc, comment tu vas voir notre valeur? Il va nous laisser dans les épreuves pour voir. C'est-à-dire qu'il va nous faire affronter les épreuves. Il ne va pas nous épargner des épreuves. Non. Il va nous laisser affronter les épreuves comme Meshach, Shadrach et Abednego. Il va nous laisser affronter les épreuves comme le Seigneur Jésus, comme les disciples, comme tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit dans leur vie. Mais il ne va pas à chaque fois t'épargner des épreuves, non. Quand tu vas garder la parole, on va voir ce que nous valons dans le Seigneur. Et quand tu triomphes de ces choses-là par la foi en Jésus, c'est là que tu vas devenir un modèle. Pour tous ceux qui croient, on dit sont devenus un modèle pour tous ceux qui croient réellement dans la Macédonie et puis en Achaïe. Et ma prière, le vœu de mon cœur, c'est que tu sois un modèle dans l'assemblée. Que tu sois un modèle dans ta maison, que tu sois un modèle dans ta vie, que tu sois un modèle pour tous les frères et sœurs qui croient dans la vie ici, que tu sois réellement un modèle au nom de Jésus. Et le modèle dont on parle, c'est pas un modèle réellement dans le désordre, un modèle dans l'impureté, un modèle dans la dissolution, mais c'est un modèle en Christ. Un modèle dans les vertus de Christ. Ça, je crois que vous êtes d'accord avec moi. Amen. Amen. Verset 8. Non seulement accompli chez vous par la parole du Seigneur a eu un grand retentissement jusqu'en Macédoine et en Achaïe. Mais encore, la nouvelle de votre foi en Dieu est parvenue en tout lieu. Et nous n'avons même pas besoin d'en parler. Amen. C'est magnifique. Donc, quand tu obéis à Dieu, tu obéis à Dieu. Les choses même, ça veut dire que ton témoignage, tous les frères et sœurs vont commencer. Ceux qui aiment Dieu vont commencer à témoigner. Ils vont témoigner de tes progrès.
parce que tes progrès sont évidents. Ils vont commencer à témoigner de tes progrès, des œuvres que le Seigneur fait avec toi, des exploits que le Seigneur fait avec toi. Ils vont commencer à témoigner de cela pour rendre grâce à Dieu. Ils vont dire, non, Dieu est bon. Non, Dieu, en tout cas, il est fort. Quand je regarde la sœur tant, non, je rends gloire à Dieu de ce que Dieu est en train de faire dans sa vie. Non, je crois qu'il est encore dans cette vie-là, il est encore dans cette terre-là, il est encore dans ce pays-là des femmes qui craignent Dieu. Il est encore dans ce pays-là des saintes femmes, des jeunes consacrés à Dieu dans la chasteté, dans la pureté, des femmes de foi, des femmes qui imposent les mains aux malades, ces malades sont guéris, des femmes qui se gardent chastes. On dit que les jeunes ne peuvent pas réellement rester chastes. Mais je vois que réellement, il y a encore des chrétiens. Il y a encore 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Quand je regarde telle sœur, je peux aussi le témoigner dans sa vie. Ma prière et le vœu de mon cœur, c'est qu'on puisse dire cela de toi, ma sœur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Il dit au verset 8, « En effet, c'est de chez vous que la parole du Seigneur est partie. » Vous se faites entendre en Macédonie et en Achaïe. Donc, c'est ce que je vous disais au départ. Il dit, c'est de chez vous. Donc, je vous disais que c'était les premières assemblées, la première assemblée qui a été bâtie. Vous voyez? C'est-à-dire que c'était parmi les premières assemblées qui sont bâties, là, c'est là-bas. Et quand vous lisez dans Actes chapitre 17, 18, là-bas, vous allez voir. Donc, il dit, en effet, c'est de chez vous que la parole du Seigneur est partie pour se faire entendre en Macédonie et en Achaïe. Ça veut dire que si je vis bien, si je reçois la parole de Dieu, je me conduis selon l'évangile, Dieu pourra faire partie de l'évangile de par ce moi. Et je crois au nom du Seigneur Jésus-Christ que c'est par chez toi, de par chez toi, que la parole de Dieu va se répandre dans toute ta maison au nom de Jésus. C'est de par chez toi que la parole de Dieu va se répandre dans tout ton quartier au nom de Jésus, sainte femme. C'est de par chez toi que la parole de Dieu va se répandre dans toute la ville au nom de Jésus. C'est de par chez toi que beaucoup de jeunes filles qui sont dans la drogue, qui sont dans la prostitution, qui sont dans les commérages, qui sont liées par le péché, c'est de par chez toi que la vie en Christ va les impacter. Elles seront changées au nom de Jésus. C'est de par chez toi. Oui, c'est vrai que tu es faible. C'est vrai que tu as peu de puissance. Mais par le désir qui est en toi, par la volonté qui est en toi, la volonté de vouloir plaire à Dieu, les petits efforts que tu fais pour plaire à Dieu, les efforts que tu fais pour te consacrer à Dieu, ça ne va pas rester réellement sans réponse. Dieu va se souvenir de toi et de par chez toi, ta famille sera convertie. De par chez toi, tes enfants seront convertis. De par chez toi, tes frères seront convertis. De par chez toi, la parole de Dieu va aller pour impacter plusieurs générations au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est chez vous que la parole du Seigneur est partie pour se faire entendre en Macédonie et en Achaïe. De plus, on sait partout que vous croyez en Dieu. Nous n'avons donc pas besoin d'en parler. Quand on te regardera, quand on va te regarder là, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de beaucoup parler. C'est-à-dire que ton témoignage va parler à ta place. Alléluia. Ton témoignage va parler à ta place. Ta vie va parler à ta place. Ta conduite va traverser réellement des villes, va traverser des quartiers. Ton témoignage va traverser des villes, des quartiers au nom de Jésus. On n'aura pas besoin réellement d'en parler. Tout le monde va savoir. Quand je vais dire le nom de Thierry, on commence à penser à la sainteté, la pureté, la vertu, la sanctification, la foi. Quand je vais dire le nom de Aurélia, on commence à penser réellement à l'impact, à l'intercession. Quand je vais dire le nom de Yasmine, on commence à parler de la persévérance, de la foi, de la puissance, de la guérison. Quand je vais dire le nom de Lisette, on commence à parler de la prière, de la puissance, le nom de Kelly, on commence à parler de la sainteté, de la foi, de la puissance. Vous tous les sœurs, quand on dit votre nom seulement, on pense à la puissance de Dieu, on pense à la sainteté, on pense à la prière, on pense réellement à la foi, on pense à l'évangile, à la puissance de l'évangile
Seulement quand on dit votre nom, seulement quand on pense à vous, on pense à ce que, on pense aux exploits de Dieu. On n'a pas besoin de commencer à raconter. Dès qu'on dit votre nom, les hommes savent ce que Dieu est en train de faire. Dès qu'on prononce votre nom, les gens réellement commencent réellement à glorifier le nom du Seigneur parce qu'il a travaillé dans votre vie. Il s'est déployé dans votre vie. Il a manifesté sa gloire dans votre vie. Il est allé en profondeur avec vous. Alléluia. Seulement quand on mentionne seulement votre nom. Amen. Amen. Il dit au verset 9, les gens racontent en parlant de nous comment vous nous avez reçus chez vous et comment vous vous êtes tourné vers Dieu. Vous avez laissé les faux dieux, vous servez le Dieu vivant et vrai. Et pour attendre que son Fils vienne des cieux, ce Fils c'est Jésus que Dieu a réveillé de la mort et qui nous délivre du jugement de Dieu qui est proche. Je veux que tu lises avec ta version de verset 9 à 10. Écoutez très bien. On raconte en effet à notre sujet quel accueil vous nous avez réservé et comment vous vous êtes détournant des idoles. Donc, il dit, on raconte comment vous nous avez reçus. Amen. Comment vous nous avez reçus. Ça veut dire que si vous recevez un homme de Dieu, si vous recevez les missionnaires, vous recevez les pasteurs, vous recevez les évangéliques, vous recevez les envoyés de Dieu, les porte-paroles de la parole de Dieu, ça prouve que vous aimez la parole. Mais aujourd'hui, combien de sœurs réellement sont disposées pour ces temps de partage, ces temps de prédication, ces temps de prière pour recevoir un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, recevoir réellement, pour recevoir, afin de recevoir la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes toujours disposé lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu, il s'agit de l'enseignement? Est-ce que réellement vous êtes comme Marie, la sœur de Lazare, pendant que sa sœur était en train de se démerder, de se fatiguer dans la cuisine, au moment où c'était le temps appointé, le temps fixé pour se disposer son cœur pour recevoir la sémence de la vie, pour recevoir la parole de Dieu. C'est dans ce temps-là qu'elle va chercher à faire autre chose. Le Seigneur dit, il y avait le temps pour faire cela. Elle a choisi la bonne part. Voici le temps de la parole. Voici le temps de la parole. N'oubliez pas que lorsque les gens sont venus, sont venus dire au Seigneur, il y a ton frère, il y a ta soeur, il y a ta mère qui sont venus te chercher. Il dit, qui est ma soeur, qui est mon frère, qui est ma mère? C'est vous qui êtes là, qui êtes en train de m'écouter, d'écouter la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes disposés lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu? Est-ce que les soeurs sont disposées? S'il vous plaît, être des modèles. Est-ce que vous accueillez la parole de Dieu? Est-ce que vous la méditez? Est-ce que vous la recevez? Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous l'étudiez, vous la réétudiez, vous la réméditez? Est-ce que vous ruminez la parole de Dieu? Est-ce que vous remettez en cause, vis-à-vis de la parole de Dieu? Est-ce que vous mirez avec la parole de Dieu? Est-ce que vous mangez la parole de Dieu? Est-ce que vous vivez la parole de Dieu? Si ces choses sont pratiques dans votre vie, vous allez devenir assurément des modèles. Et tout ce que j'ai dit précédemment, tout ce que j'ai déclaré, j'ai prophétisé sur votre vie, ces choses-là s'accompliront au nom de Jésus. Et les gens racontent en parlant de nous comment vous nous avez reçus chez vous et comment vous vous êtes tournés vers Dieu. Vous avez laissé les faux dieux pour servir le Dieu vivant et vrai. Alléluia. Donc, les gens racontaient comment ils se sont convertis. Aujourd'hui, il y a encore une race de chrétiens qui ont honte de leur ancienne vie. Moi, je ne comprends pas. On va se parler. Il y a encore une race de chrétiennes et de chrétiens qui ont honte de leur vie. Surtout, il y a les sœurs. On dit, si quelqu'un est en crise, il est une quoi? Ancienne. Nouvelle créature.
Les choses anciennes sont passées. Les choses sont devenues nouvelles. Très bien. Très bien. Ça veut dire que tout ce que tu étais en dehors, c'est tout ce que tu as été sans Christ. Quand tu étais en dehors de Christ, tout ce que tu es, tout ça, c'est comme la boue. Tu ne fais aucun cas de cela. Tu ne regardes plus en arrière. Tu regardes sur ce que tu es en train de devenir en Christ. Et donc, puisque c'est la boue, puisque réellement le Seigneur t'a pardonné, puisque le Seigneur t'a changé, puisque tu es devenu une nouvelle personne, une nouvelle Lisette, une nouvelle Yasmine, une nouvelle Kelly, une nouvelle Aurélia. Donc, pourquoi je vais avoir peur? Pourquoi je vais avoir honte de dire qui était l'ancienne là? En réalité, beaucoup de personnes ne se convertissent pas parce que les gens, les jeunes sœurs, les sœurs ont gardé leur témoignage dans leur ventre. Or, il suffit seulement que vous témoignez d'où vous êtes quitté, les idoles que vous avez adorées, les choses dans lesquelles vous étiez et comment le Seigneur vous a délivré aujourd'hui. Mais les gens sont toujours prêts. Regardez, ils mettent réellement la main à la charrue, mais ils regardent toujours en arrière. Ils regardent comme la femme de Lot. Ils regardent toujours en arrière, s'arrêtent sur le chemin. Que Dieu fasse que réellement vous soyez des femmes qui témoignent que Dieu les a délivrées de la vieille manière de vivre qu'elles ont hérité de leur père. Autrefois, j'étais ceci, aujourd'hui le Seigneur m'a fait cela. Vous allez voir qu'à partir de cela, une personne, deux personnes, trois personnes, quatre personnes, 10 personnes, 1000 personnes vont se convertir au nom de Jésus-Christ. C'est le diable qui est le spécialiste des passés ratés. Donc si quelqu'un se glorifie de son passé, il est en train de faire route avec le diable, il est en accord avec le diable. C'est Jésus-Christ qui est le spécialiste des passés effacés. Donc lorsque tu racontes qui tu as été en Christ, les gens c'est qui tu as été sans Christ, quand tu étais en dehors de Christ là, qui tu as été avant. Lorsque les gens te regardent, ils vont savoir que ah, donc le Seigneur ne prend pas les gens qui sont quittés au ciel pour tomber. Non, il prend des gens qui sont vendus, il prend des gens qui sont perdus, il prend des gens qui ne sont rien. C'est très important. Mais il y a des personnes dont tu les regardes, il n'y a pas les choses passées, il n'y a pas les choses nouvelles. C'est dangereux. C'est dangereux. Il faut qu'il y ait les choses passées, il faut qu'il y ait les choses nouvelles. Quand je suis né de nouveau, ça c'est le fruit, ça c'est le signe qui prouve que je suis une sœur née de nouveau. Je suis une femme née de nouveau. Et je crois que vous qui êtes connectés, vous êtes né de nouveau. Donc, vous n'allez pas, ce n'est pas en nous disant que je suis né de nouveau. Ce n'est pas ça qui va nous faire croire. Parce que le Seigneur Jésus nous a montré comment on doit reconnaître ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Il dit, aucun mauvais arbre ne peut porter de bons fruits. Aucun bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. On le reconnaîtra par leurs fruits. Donc, montre-moi que tu es né de nouveau, ma sœur. Montre-moi que tu es né de nouveau, ma fille. Montre-moi que tu es né de nouveau, ma soeur. Montre-moi que tu es né de nouveau, ma mère. Montre-moi, femme en Christ. Montre-moi que tu es né de nouveau par ta vertu. Montre-moi que tu es né de nouveau par ton langage. Montre-moi que tu es né de nouveau par ton comportement, ta conduite, par ta foi. Montre-moi, c'est tout. C'est très important. Alléluia. Amen. Les gens racontent en parlant de nous comment vous nous avez reçus chez vous et comment vous vous êtes tournés vers Dieu. Donc les gens connu leur témoignage. Je prie que ton témoignage ne soit pas caché, mais que ton témoignage réellement puisse sortir de sa coquille et que ton témoignage puisse se répandre de lieu en lieu au nom de Jésus. Amen. Même si une personne, deux personnes témoignent, qu'ils sachent, que ces jeunes filles-là sachent réellement d'où tu as quitté, ce que le Seigneur a fait de toi, que ton témoignage réellement soit kilométrique au nom de Jésus-Christ, que ton témoignage puisse aller de lieu en lieu
pour convertir des personnes. Que ton témoignage ne soit pas réellement seulement à Jérusalem, mais que ton témoignage quitte de Jérusalem pour aller en Samarie. Que ton témoignage quitte de Jérusalem pour aller en Judée, et de Judée en Samarie, et de Samarie jusqu'à toute l'extrémité de la terre. Que ton témoignage ne se guide pas partout. Quand on voit ton témoignage sur les réseaux sociaux, de par tes paroles, de par tes statuts, de par tes photos que tu mets là-bas, quand on voit ton témoignage, on dit les gens ont raconté comment ils se sont tournés à Dieu. Il faut que ce soit ça qu'on raconte de toi. Comment est-ce que tu t'es tourné vers Dieu? On dit, vous avez laissé les faux dieux pour servir le Dieu vivant et vrai. Il faut qu'on voit cela dans ta vie, dans tout ce que tu fais, partout où tu es, cette femme de Dieu, qu'on voit cela dans ta vie, afin que tu puisses rassembler pour Christ, au nom de Jésus-Christ. Verset 10 dit quoi? Verset 10 dit, et Amen. Pour attendre que revienne du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Donc, ils se sont détournés du mal après avoir entendu l'évangile, se sont détournés du péché après avoir entendu l'évangile pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre que vienne réellement son Fils des cieux. Parce que Jésus-Christ est monté, il allait s'asseoir dans la puissance de Dieu, à la droite de Dieu. Alléluia. Et il revient pour chercher ceux-là qui, après avoir été délivrés, après être quittés dans la mauvaise vie, sont maintenus dans la justice. C'est pour cela qu'il vient. C'est pour cela qu'il est pour attendre, après s'être détourné des faux dieux, pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre que son Fils vienne des cieux. Ce Fils, c'est Jésus, que Dieu a réveillé de la mort et qui nous délivre de la colère à venir. Lis, s'il te plaît, ce dernier passage encore. Et pour attendre que revienne du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Donc, Jésus-Christ, il est venu pour nous délivrer de la colère à venir. Ça, un jour, on parlera de ça une prochaine fois. Mais ça, c'est des choses basiques qu'un enfant de Dieu, bien de nouveau, doit normalement savoir. Qu'une servante de Dieu, une cette femme doit normalement savoir. C'est de la colère de Dieu que Jésus-Christ nous délivre. Et cette colère dont l'apôtre Paul parle ici, c'est le jugement de Dieu qui arrive. La colère à venir, c'est-à-dire le jugement de Dieu qui arrive, où Dieu va détruire les pécheurs. Il va les jeter dans le feu de la gêne qui ne s'éteint point. Là où il y a les pleurs et les grincements des dents. Là où les vers ne meurent point. Là où il n'y a pas de dos à boire. Là où on souffre pour l'éternité. Là où on ne va jamais voir Dieu dans sa vie jusqu'à l'éternité. Là où on va plus jamais, l'homme ne va plus avoir de repos. La personne qui est damnée là, n'aura plus jamais de repos. La personne va sentir plus de douleur. Parce que l'âme, les sensations de l'âme sont plus fortes que le corps. Quand vous dormez, que vous faites des songes, là, regardez, souvent, si vous avez des oppressions, vous voyez comment là-bas les choses sont sensibles. Vous voyez comment les choses sont douloureuses. Il y a des fois même, si vous avez déjà vécu ça une fois dans votre vie, quand vous levez, vous devenez comme un brindis de balai. Vous devenez faible. C'est-à-dire que c'est votre être intérieur qui a vécu cette expérience-là. Ça veut dire que là-bas, les sens sont terribles. Imaginez toutes ces sensibilités-là être jetées dans un feu dont on ne connaît pas le degré, qui chauffe plus fort que réellement le soleil, même dans son éclat, le plus fort. Que Dieu soit béni, lui qui nous délivre par Jésus-Christ son Fils de cette colère-là. Il nous délivre en nous nettoyant par son sang. Il nous délivre en nous réconciliant avec Dieu son Père. Il nous délivre en nous justifiant, en nous faisant revêtir une robe sans tache, ni rien de semblable. Il nous délivre en nous communiquant sa parole. Et lorsque nous obéissons à cette parole, nous devenons à son image et selon sa ressemblance. Il nous délivre par le Saint-Esprit qu'il nous a donné, afin que lui, nous soyons épargnés de cette colère. Il nous délivre
lorsque nous gardons, nous maintenons dans cette voie, nous demeurons dans son amour. Il dit, parce que j'ai gardé les commandements de mon Père, je suis demeuré, je demeure dans son amour. Et si nous gardons les commandements de Dieu, nous allons demeurer dans son amour. Si Dieu nous aime, qui nous séparera de l'amour de Dieu? L'enfer ne nous séparera pas. Rien qui existe dans ce monde ne nous séparera de l'amour de Dieu parce que nous gardons les commandements de Dieu. Plus tu gardes les commandements de Dieu, plus l'amour de Dieu te remplit. Plus tu deviens quelqu'un de chéri, tu deviens la fille chérie de Dieu. Et rien ne pourra te nuire. Et rien ne pourra, même la mort, le Seigneur des morts, ne pourront pas te retenir. Les démons ne pourront pas te retenir. La terre ne pourra pas te retenir. Car au son de la trompette, lorsque ton nom retentira dans le nom dans la bouche du Dieu très haut, tu quitteras réellement ton corps, même quittera les profondeurs de la terre. Ton corps quittera le sable. Ton corps quittera la terre. Et tu monteras au nom de Jésus-Christ. Et si tu es vivante pendant que réellement le Seigneur le dit vient du haut des cieux et que ton nom retient de sa sainte bouche, tu seras transformé. Tu auras un corps de gloire, un corps qui ne meurt plus jamais, un corps qui ressemble à Dieu, un corps saint, un corps pur, un corps éclatant, un corps lumineux, un corps glorieux, un corps à l'image du Fils de Dieu, un corps que les ténèbres ne peuvent pas atteindre, que les ténèbres ne peuvent pas regarder, un corps qui se transforme, un corps qui se déplace à la lumière de la vitesse. Tu auras à la vitesse de la lumière. C'est ce corps-là que tu posséderas. L'immortalité, l'incorruptibilité, la gloire. Tu posséderas ce corps-là. C'est à ça que tu es appelé. Demeure dans les voies de Dieu, cette femme. Marche dans les voies de Dieu. Si tu es persécuté, loue le Seigneur. Continue. Continue. Porte ta croix. Parce que tu attends que vienne le Fils de Dieu du haut des cieux. Il viendra. On dit qu'il viendra avec ses saints anges. La trompette sonnera. La trompette sonnera. Et quand cette trompette sonnera, ma prière, le vœu de mon cœur, c'est que tu sois dans les voies de Dieu. Les gens sont en train de blaguer les gens ou dire que si tu es enfant de Dieu, si tu meurs entre les jambes d'une prostituée, si tu meurs dans tu meurs dans le lit des Soudanadi, si tu meurs dans le lit réellement de BAE, si tu meurs dans le lit de telle personne, parce que tu as confessé une fois le nom du Seigneur, je dis tu seras enlevé. Laisse-moi te dire qu'on ne meurt pas dans le péché, on meurt dans le Seigneur. Et mourir dans le Seigneur, c'est mourir dans ses voies. Et mourir dans les voies du Seigneur, c'est mourir dans la parole, dans l'obéissance à la parole de Dieu. C'est mourir dans la sainteté. C'est mourir en ayant la robe que Jésus-Christ t'a donnée sans tache, ni rien de semblable. Parce qu'on dit Christ a aimé l'Église et après l'avoir purifié par l'eau de son baptême, il a purifié par sa parole afin de la rendre sans tache, ni bien de semblable, pur, irrépréhensible pour la gloire à venir. La Bible dit que l'épouse qui s'est préparée avait revêtu une robe, un velin blanc et pur. Ce sont les seuls justes des saints. C'est la tempérance, c'est la vertu, c'est la connaissance de Dieu, c'est la miséricorde, c'est la compassion, c'est la sainteté. Cette femme, toutes ces choses sont les bénéfices de ta foi en Jésus. Toutes ces choses sont les vertus de Dieu. Toutes ces choses, c'est ton partage. C'est ton partage. Ce sont ces choses auxquelles tu dois aspirer. Ce sont ces choses que tu dois vivre. Et non dans le monde. Et non dans les souvenirs du monde. Que Dieu te garde. Que Dieu te garde pour lui saint. Que Dieu te garde pour lui saint. Afin que ce jour-là qui arrive, tu ne sois pas confuse. Lorsque le son de la trompette sonnera, alléluia, tu seras là où tu dois être en Jésus-Christ. Tu ne seras pas dans le désordre. Que ce jour-là n'arrive pas pour vous surprendre. Parce que le Seigneur Jésus dit qu'il viendra comme un voleur. Garde à celle-là qui ne serait pas dans les voies du Seigneur. Il dit, veillez de prier car personne ne connaît ce jour. On dit, et pour attendre que son fils vienne des cieux. Oh, le Seigneur a dit comment il va venir. Il dit, quand il va venir, tout le temps, il a foi sur la terre. Je prie qu'il puisse trouver les saintes femmes que vous êtes dans la foi. Alléluia. Je prie qu'il puisse trouver les saintes femmes que vous êtes dans la foi. Que vos noms soient toujours inscrits au son de la trompette. Que vos noms soient toujours inscrits dans votre livre.
au son de la trompette. Ainsi, vous serez délivrés de la colère à venir, parce que tant ravi en esprit par le Seigneur Jésus-Christ dans la félicité céleste, vous serez épargnés de la seconde mort, car heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, heureux ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. La seconde mort n'aura point de pouvoir sur toi si tu demeures dans les voies du Seigneur. La foi que tu as a besoin de démonstration. La sainteté, donc, qui est le fruit de l'esprit que tu as planté en toi, a besoin de manifestation, a besoin de pousser, a besoin de se déployer comme une plante avec des fruits. Alléluia. Et Dieu, qui est le vigneron, lorsqu'il verra ce fruit-là, il va manger ce fruit avec plaisir. Il va dire, ma fille, entre dans la demeure de ton père. Ma fille chérie, ma fille bien-aimée, entre dans la demeure de ton père. Tu as persévéré dans mes voies. Malgré les difficultés qui étaient sur la terre, j'ai vu tes efforts. C'est pour ça que je t'ai envoyé mon Saint-Esprit et mes saints anges pour te secourir, pour t'aider. Parce que j'ai vu en toi le désir de chercher à me plaire. J'ai vu en toi le désir de faire mon œuvre. J'ai vu en toi la haine du monde. J'ai vu en toi la haine des choses que je n'aime pas. Tu es digne d'entrer dans mon royaume. Entre dans la demeure de ton Père. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.